Oh les cœurs, compagnons! Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir! John B. a commis une erreur fatale en nous laissant la vie sauf. Si vous le dites, capitaine. En attendant, il fait nuit noire et il me semble bien qu'on est un peu paumé au milieu d'une grande étendue d'eau comme ça, avec une sorte de rien du tout autour. Et comme Bittenbrook, hein. Tu veux que je te dise? Oui. C'est un petit peu pour ça que je suis capitaine et toi qui t'es qu'un corbusier. Une boussole! Et je me ferai un devoir de nous sortir de ce bazar! Oh, je crois bien que les pirates nous l'ont pris avec le reste. Le compas, alors? Pareil. L'astrolabe, peut-être? Ah, GPS, Marc Neptune! Pas mieux! Oh, mon Dieu! Oh, bien, soit. Nous suivons donc l'exemple de mes glorieux ancêtres phéniciens. Phéniciens? Aussi, oui. Et aux étoiles, mon ami! Alors, le tout, c'est de trouver la polaire. Mais c'est vrai qu'il fait un peu caillant dans le coin. Prenez ma petite laine. Ça, c'est de qualité, c'est du cachemire. Oh, l'étoile polaire. Hein? Qu'est-ce qui m'a foutu un clouche pareil? Bah, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Hé, rame cette étoile, Morico. Mais... C'est quoi qui me touche? Non, c'est lui! C'est quoi? Arrête avec tes mains! C'est ta main? C'est pas ma main! Non, je garde ma main chez moi, ça va? Lâche-moi! Mais tu me touches, là! C'est pas ma main, c'est pas ma main! Lâche-moi, c'est mon corps! Printemps de l'an de grâce 1680. Tandis que Oust et son équipage tentent de trouver leur chemin au beau milieu de l'océan Pacifique à bord de la barque que, dans sa grande mansuétude, John B., dit The Singing Bastard, leur a laissé en échange de Philomène Ganache et de leur bateau à pédale, notre pirate a entre-temps rejoint sa base secrète du rocher Suchard. Le cacao qui tue, épisode 3. Un pirate sachant cuisiner. Du pain, du beurre, du rôti, des bountis, de la choucroute, du casse-croûte, de la purée hélico, des patates et tomates, des berniques balsamiques, de la mayo en Dijon, un cheesecake au beefsteak, dans le chinois, des petits pois et les os et des mars, étaler les rillettes, faites revenir le tapir, fa va va va, fa va va va. Va 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 va. Dans la dunette de son vaisseau, The Singing Bastard met les petits plats dans les grands en attendant son otage aux yeux de biche pour un dîner aux chandelles. Ah, mademoiselle Ganache, come in and sit down. Laissez-moi. Laisse-nous, Mackintosh. À vos ordres, Captain. Je vous préviens tout de suite, je sais me défendre. Il n'est pas encore né celui qui m'arrachera ma vertu. Allons, Don Biofred. Je ne suis pas le si mauvais bougre que l'on dit. You are probably angry après toutes ces émotions. Goûtez-moi ça. Attention, c'est chaud. Oh, c'est drôlement bon, dites donc. Hein? Ah, prenez place, je vous en prie. Carpaccio de pétanque émulsifié à la nette. À suivre. Petit filet de raie pastenague en papillote avec sa purée de carambole et verrine de tiramisu de crevettes saupoudrée de sa broyade d'œufs de puffin en gelée. Quelle merveille! Je vole de surprise en surprise.
Moi qui pensais que les Anglais n'étaient pas doués pour la grande cuisine. Et ouais. Croyez-moi, je m'y connais. Oui, c'est... Ah, fait yes. Cheers. Santé. C'est bien sympathique tout ça, mais... que comptez-vous faire de moi, Johnny? Oh, je peux vous appeler Johnny. Please, do. Eh bien, une demande de rançon à votre famille, as usual. Ah. En attendant, estimez-vous comme ma spécial guest, my dear Philomène. C'est que je suis orpheline. Fucking hell! Pardonnez mon langage, mais enfin, ça n'arrange pas mes affaires. Hein. Vous m'envoyez désolé. You bet. Ce vin est un délice. Oui. Je sens mes joues rosir à vue d'œil. Ça ne vous ennuie pas que je dégrafe un peu mon corsage, c'est qu'il fait chaud chez vous. Vous êtes la welcome, enfin, le you. Faites comme chez vous. I understand myself. Ça doit être quelque chose, hein, la vie de pirate, non? Moi, ça me fascine. Toutes ces histoires d'abordage, de coups de canon, de corps en sueur arrosé du sang de l'ennemi. Ah, well. Ouh, vous tremblez, Johnny? Non. You cannot make an omelette without breaking eggs. Sorry? C'est curieux, je n'arrive pas à identifier votre accent. Nord de l'Angleterre? Manchester ou Liverpool? Sussex? Oh. Enough. It's me that I pose les questions, mademoiselle Ganache. Parlez-moi un peu de vous maintenant. Oh, que dire? Jeune diplômée en chimie organique, master en douceur et chocolaterie. Ah tiens donc, vous m'en direz tant. Et qu'est-ce qu'une jeune et fraîche spécialiste en douceur peut bien venir quérir dans l'enfer des Antilles? Le cacao qui tue, ça vous dit quelque chose? Cacao kills. Which kills? Pronom relatif, neutre, s'accordant avec l'antécédent. Yes, which kills, of course. Eh bien, tout le monde s'y intéresse en ce moment. On prétend qu'il s'agit d'une variété rare et extrêmement précieuse de cacao. Uh-huh. Et je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler que tout ce qui est rare... est cher. Continuez. Je devine à vos yeux pétillants de limande que vous avez une idée derrière votre jolie petite tête bien faite. Disons que ma jolie petite tête bien faite, associée à vos muscles, pourrait faire des miracles. Muscles bien bandés s'il en est. I'm sorry. Votre beau corsage, il est tout trempé. Attendez, laissez-moi vous. Non, c'est rien. Non, mais juste. C'est rien, je vous dis. Vous en avez je vous dis. Laissez-moi. Pas tout, j'ai dit. C'est malin, ça. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Un coup d'éponge, peut-être. Non, chut. J'ai l'expertise nécessaire pour pister le cacao qui tue. Vous avez les moyens pour mettre la main dessus. Il ne tient qu'à nous de le conquérir. Et de nous enrichir. Nous? Vous voulez dire us? Mais je pourrais tout aussi bien vous obliger à collaborer. Ah. De gré ou de force. Oh, you know, je m'y connais tout aussi bien dans la cuisine des corps que dans celle des aliments. Oh oui, Johnny, fais-moi mal. Oh, cuis-moi à l'étouffée. Oui, bon. Dépouille-moi façon turbo. Oui, Philomène, oh, c'est... Émince-moi en julienne. Bon, ça suffit. Oh, oui, ça qui tâche. Yes, Captain. Qu'on ramène mademoiselle Ganache dans sa cabine. Et qu'elle ne manque de rien. Bonne nuit, Johnny. Have a sweet dreams. Oui, have a très sweet dream. Oh, la bombière. Ouh là 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 là, la bombière. Et tandis que John B. rejoint sa couette, peinant à trouver le sommeil, l'esprit troublé par ce que lui a dévoilé Philomène. Au sujet du mystérieux cacao qui tue, nos amis belges ne sont, de leur côté, pas beaucoup plus avancés. Non, sorry, on va pas y passer la nuit.
Bon, alors je double la sonde de celui qui me trouve en premier la polaire. Et tu arrêtes avec ton pull. J'ai compris, hein. Ça ne servira à rien, capitaine. Le ciel est bouché. On pourrait presque se croire du côté de chez moi, à Blankenberg, un soir de tempête à la Toussaint. Bon, alors, est-ce que quelqu'un n'aurait pas éventuellement un genre de lumignon bien capable de nous éclairer tout ça pour qu'on émire quelque chose de propice à notre orientation diligente? Ah, mais je crois qu'il me reste en poche une fusée éclairante que ces forbans m'ont pas piqué. Ouais. Attendez, hein. Ouais. Je la prends. On attend, hein. Ouais. On attend que vous, hein. Mais. 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 Mais c'est qui nous trouverait la coque avec son bétail, imbécile? Oh là là! Oh là là, qu'est-ce que bordine? Elle m'arrête! Cherche-moi là! Les équilibres! J'ai roulé là! Oula! Tais-toi, toi! Imbécile! Je suis désolé. Mais ces événements dramatiques n'étaient en rien comparables à ceux qui se tramaient à l'instant même sur l'île de la Tortue. Ainsi, alors que l'aube daigne enfin poindre le bout de son nez, Gérard de la Turbule et ses amis têtes d'ampoule, dormant encore du sommeil des justes en rêvant de logarithmes népériens, ne se doute pas de ce qui les attend. Doucement avec la porte. Voilà. Maintenant, en silence. Oui. Désolé, capitaine. Remets-le. Voilà. Possible, ça. Ils voient rien en même temps. Vous êtes prêts, compagnons? Compagnons, dormez-nous! Qu'est-ce qu'il y a? Archibaldo! Fripouille, je t'avais pourtant ordonné de te débarrasser de ce piaf! Bravo, les gars! Bonjour à la discrétion! Je vous félicite pas, moi! Mais Miribi, tu connais Célardon? Célaron? Surveille ton langage, trousse velours, où je pourrais t'oxyre sans formalité! Allez, debout, et montre-moi ton... Miribi. Utotor, capitaine. L'ultra-tornade à trajectoire orientale. C'est ça. Mais Miribi, sale traître, moi vivant, vous ne toucherez pas à mon Utotor. Ah ouais. Vous l'emportez tout de suite ou on vous l'emballe? Bon, bah alors je vous l'emballe, alors. To be continued at www.thecacaowhoskills. Which kills? Comment, which kills? Écoute, je parle aussi bien anglais que toi. Je veux seulement que vous le fassiez correctement, Captain. Tu vas pas m'apprendre à parler anglais. Et puis d'ailleurs, je vais le faire en français pour te prouver que je comprends ce que je dis. Alors, à suivre sur www.lecacaoquitue.fr.